45 ans d'esclavage moderne ou 5 ans d'investissement immobilier? Ça, c'est une question très importante et je pense que si tu me suis depuis un moment, tu as déjà vu passer ce type de message-là. Donc, reste bien jusqu'à la fin car je vais t'expliquer ce que ça signifie en fait et quel est le message derrière ce message, si je peux appeler ça comme ça. Donc, avant de commencer, ce que je t'invite à faire, c'est t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo. Donc, ça nous permet de nous faire connaître à un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me trouve toujours à Cancun, comme tu le vois. Dans cette vidéo, je vais te parler de 45 ans d'esclavage ou 5 ans d'investissement immobilier. Ça, c'est un message qui a suscité beaucoup de commentaires, positifs comme négatifs. Parce que bon, dès que j'ai dit le mot esclavage, tout de suite, on s'est dit, oh, Florian raconte, je sais pas quoi, le passé et tout, non. 45 ans d'esclavage moderne, c'est quoi? Pour moi, c'est tout simplement le fait de travailler 45 ans sans but précis en fait. Tu vois, j'ai même du mal à penser parce que pour moi c'est juste inconcevable de se dire que le système est fait pour qu'on travaille tant d'années. Dis-moi si ça c'est pas vraiment, si ça c'est pas terrible en fait de se dire que tu travailles 45 ans de ta vie et qu'en fait en réalité tu n'as même aucune satisfaction en fait. Tu n'as aucun accomplissement personnel, tu n'as aucun objectif précis. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, tu vois, mais je pense que la majeure partie des personnes, c'est ce qui se passe et c'est triste en fait. Et c'est dû à quoi? C'est dû en fait au système éducatif qui nous est imposé. C'est-à-dire depuis tout jeune, tu vas travailler, tu rentres, tu dors, tu te lèves, tu vas travailler, tu rentres, tu dors. Et ça, tu fais ça pendant 45 ans. Tu vois, et c'est pour ça que moi, j'ai très vite compris en fait, de par les livres que j'ai lus, les formations que j'ai suivies, etc. Je me suis dit, non, mais ça va pas être possible. Est-ce que, tu vois, moi, j'ai eu une telle frustration que lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis dit, non, mais je vais pas passer 45 ans de ma vie à faire ça. Et c'est là que j'ai commencé à chercher des solutions en fait, à me dire, mais comment est-ce que je peux, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce qu'il n'y a pas un... Non, quand moi j'étais gamin, je voulais... Quand j'étais gamin, je voulais d'abord travailler dans l'aviation. Je crois que je voulais être pilote ou après je me suis basculé vers l'informatique, ainsi de suite. Donc, plus les années passaient, moins mes objectifs étaient élevés. Et c'est pourquoi? C'est parce qu'à l'école, on nous a enseigné à juste être des pions dans le système. On est un pion dans un système qui profite à d'autres personnes en fait. Donc moi, je me suis dit non. J'ai commencé à chercher des solutions et je me suis tourné du coup vers la liberté financière, l'éducation financière. Et c'est là que je me suis dit, putain, mais en fait, on nous a jamais expliqué à l'école comment en fait créer une entreprise. On nous a jamais expliqué comment investir. On nous a jamais dit qu'il était possible d'investir, de devenir libre financièrement. Et j'ai commencé à lire des livres et c'est là que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, il y a un monde parallèle en fait. Et moi, j'aime bien dire à des amis à moi que, mais les gars, il faut vous ouvrir en fait. Il faut vraiment être plus curieux parce que il faut aller chercher de l'information, aller voir d'autres personnes parce que il existe un autre monde que vous pouvez passer toute votre vie sans même savoir que ça existe, sans même savoir qu'il est possible de devenir libre financièrement grâce à l'immobilier. Et c'est ce vers quoi je me suis tourné. Et c'est pourquoi je dis, je fais le parallèle entre 45 ans d'esclavage moderne ou 5 ans d'investissement immobilier parce que pour moi, devenir libre financièrement en un an grâce à l'immobilier, voilà, sauf si vraiment tu performes de ouf, il y en a et je connais des personnes qui le sont devenues en un an, mais moi je préfère partir sur 5 ans. Moi je l'ai fait un tout petit peu moins de 5 ans, mais je me dis en 5 ans c'est possible. Et honnêtement, ça vaut le coup parce que c'est sûr que ça va pas être facile, c'est sûr que ça va demander des sacrifices, c'est sûr que ça va demander une prise de risque. Ça c'est sûr, moi pendant 4-5 ans, voilà, j'ai pris cher. Je te le cache pas, j'ai pris cher, mais je me dis honnêtement, ça vaut le coup de faire ça 5 ans et de se libérer de ces 45 ans d'esclavage moderne en entreprise. Clairement. Parce que moi, c'est sûr que si j'avais eu à travailler comme ça toute ma vie, je pense qu'à un moment, je me serais tiré une balle en fait. Clairement, parce que je pétais un câble, c'était juste incroyable, tu vois. Mais je me suis dit, il faut que je le fasse tout en travaillant, il faut que j'investisse en immobilier pour me libérer et pour être libre de partir comme ça sans avoir demandé l'avis de qui que ce soit. Demain, je veux partir. Si demain, je vais aller au Panama, je pars au Panama. Si demain, je vais aller au Cameroun, je prends mon billet d'avion, je pars au Cameroun. Si demain, je veux aller en France, je vais en France. Là, je suis venu sur un coup de tête. Je me suis dit, ok, j'ai dit à madame, est-ce que tu peux regarder pour tes vacances? Parce que là, il faut qu'on parte et tout. J'ai envie de partir et tout. Elle a demandé ses vacances et boum, on est parti, tu vois. Bon, elle va rester un peu moins longtemps que moi parce qu'elle travaille encore. Mais moi, voilà, je suis parti. J'ai pas pris de billet d'aller-retour. J'ai pas pris de billet retour.
Parce que je ne sais pas quand je vais rentrer. Tu vois, je me dis peut-être que je vais rester là, je vais rencontrer des gens et tout et tout. Voilà, c'est quand tu es en mode business. Tu sais, il ne faut pas être figé sur les dates parce que peut-être je vais rencontrer quelqu'un qui va me faire rencontrer une autre personne. Et peut-être c'est à une date postérieure à ce que j'avais prévu. Donc, j'ai préféré pas prendre de billet de retour pour ne pas, en fait, tout simplement peut-être manquer une opportunité. Donc, c'est ça, en fait, de pouvoir être libre, c'est de pouvoir te dire que tu es le maître. C'est toi le maître à bord, c'est toi qui décides. Si demain, tu veux faire ça, tu pars. Tu n'as pas besoin d'aller supplier un patron pour prendre des vacances. Tu veux prendre des vacances, tu pars. Tu as envie de le matin. Bon, moi, je commence tôt, mais il y a des fois, par exemple, je me dis, OK, là, ce matin, je veux bosser de chez moi, je bosse de chez moi. Ce matin, j'ai pas envie de travailler, même si ça m'arrive très 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 rarement, je vais pas aller travailler. Et tu vois, mais il y a personne qui va venir me juger, qui va venir dire ah mais Florian il a pas fait ça, ah Florian ceci cela. Donc c'est ça. Donc est-ce que tu es prêt à passer 45 ans de ta vie à subir un système qui nous est imposé depuis des années? Parce que clairement c'est comme à l'usine en fait. C'est comme à l'usine, c'est-à-dire on est tous façonnés à subir le système. Et il y a que les rebelles. Je sais pas si tu as déjà vu l'image. Tu as un troupeau qui part comme ça et tu as juste un petit qui part dans l'autre de l'autre côté. Et le troupeau qui part dans ce sens-là, c'est eux qui subissent le système pendant 45 ans. Et tu as juste quelques personnes qui vont à l'encontre, qui vont à contre-courant et qui font ce que les autres font pas en fait. Et c'est ça. Et pour pouvoir en fait devenir libre comme ça, il faut que pendant 5 ans, tu fasses le contraire de ce que les autres font. On va te dire, OK, travaille fort pour avoir une soi-disant promotion. Non, travaille fort pour investir en immobilier. Travaille fort à côté, en parallèle, pour pouvoir mettre en place tes projets, de créer ton entreprise. Travaille plus fort que la moyenne, tu vois. Pendant que les autres vont gréver, toi, tu vas être là comme ça, à la bibliothèque, en train de bosser. Pendant que les autres vont manifester, se plaindre que la retraite, ceci, cela, toi, tu vas être sur d'autres projets, en fait. Tu vas pouvoir littéralement construire ton avenir, en fait, parce que c'est ça qu'il faut. Et moi, pendant 5 ans, ça a été ça. Pendant 5 ans, je me levais tout. Je te donne le planning de ma journée et même les proches qui me connaissent pourront en témoigner. Je me levais 5h30, je me lève le matin. De 5h30 à 6h, 6h30, je bosse sur mon projet. 6h30, je rentre sous la douche. 7h, voilà, je commence à faire mes trucs, petit déjeuner, tout ça. J'ai bossé, je commençais à bosser vers 8h30, 9h jusqu'à 19h, 21h même des fois. Je rentre, je reste avec ma copine à l'époque. Enfin, avec ma fiancée maintenant, pardon. C'est plus ma copine, c'est ma fiancée. Je reste avec elle. Dès qu'elle va dormir, moi je travaille de peut-être de 23h jusqu'à minuit, 1h du matin. Et j'ai fait ça tous les jours pendant 3-4 ans, tous les jours. Donc dis-moi si ça, c'est clair qu'après tu vas avoir des résultats. Si tu travailles plus que la moyenne pendant 5 ans, tu vas avoir des résultats. Mais c'est ça, c'est 5 ans de travail acharné pour entreprendre ou investir en immobilier ou 45 ans d'esclavage moderne. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si toi si tu comprends ce que je veux dire par rapport à ça et si tu mets les choses en place pouvoir quitter ce système qui nous a été imposé depuis des années en fait. Donc je te laisse mettre ta réponse dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la partager, à la liker, voilà, partage-la à toutes les personnes qui veulent entreprendre ou investir en immobilier. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo toujours à Cancun. Voilà, je te souhaite le meilleur pour ta réussite. À très bientôt. Ciao.